L'Instant Santé Filieris, une série de podcasts pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Aujourd'hui, le docteur Rochette, pédiatre, nous apporte quelques astuces pour préparer au mieux la rentrée scolaire. Pendant les vacances scolaires, le rythme est plus relâché, les familles ont moins de contraintes, plus de souplesse est accordée pour le repas, le coucher. Mais lorsque la rentrée approche, il est temps de reprendre les bonnes habitudes. Alors docteur, comment devons-nous faire pour préparer nos enfants à reprendre un sommeil de qualité par exemple ? La rentrée des enfants doit se faire surtout de façon progressive et surtout de faire de sorte de ne pas gâcher quand même la fin des vacances. Je conseille à mes patients d'avancer petit à petit, peut-être de 20-30 minutes par jour lors du coucher pour qu'en fin de compte, on arrive à une durée de sommeil adaptée à l'âge de l'enfant et qui permettra de se lever à l'heure nécessaire pour aller à l'école. Un enfant, pour qu'il travaille bien à l'école, pour qu'il soit disponible pour les apprentissages, pour qu'il soit bien concentré, qu'il soit disponible physiquement mais également psychiquement, il doit avoir un nombre de sommeil qui est adapté à son âge. Là où ça se complique un petit peu, c'est chez les adolescents. C'est sûr qu'eux, ils profitent bien des vacances pour faire des grasses matinées, pour se coucher à l'heure qu'ils veulent. Mais à l'approche de l'école, souvent ça passe par une négociation. C'est vrai que souvent on procède comme ça avec les ados. De lui expliquer que voilà, l'école approche, qu'il va falloir petit à petit revoir les habitudes qu'il a prises. Évidemment, on ne va pas lui imposer des horaires sans lui expliquer pourquoi. Le principal, c'est quand même de s'adapter au rythme de la famille et des activités de l'ado. Docteur, vous nous avez parlé sommeil, mais je pense aussi qu'il y a une reprise au niveau des horaires de repas. Enfin, quels sont vos conseils sur l'alimentation, par exemple ? Je conseille aux parents de petit à petit avancer les heures de prise de repas pour que, d'une part, les repas soient pris à des heures régulières et d'autre part, pour que les repas soient quand même assez à distance de coucher de l'enfant. Pour ceux qui ont du mal à s'adapter, à retrouver le rythme, et parfois, c'est vrai que les enfants se plaignent aussi de ne pas pouvoir s'endormir tôt, c'est peut-être bien d'introduire un exercice physique en cours de la journée. Évidemment, le sport ne doit pas se faire juste avant de s'endormir pour pouvoir justement casser les habitudes prises au niveau pendant les vacances et reprendre un rythme habituel. Ce podcast vous a été proposé par le réseau Santé Filieris. Merci au docteur Rochette pour ses précieux conseils.